Mesdames, messieurs, bienvenue à vous tous, vous qui êtes maintenant en contact avec nous ici à Malines via cette retransmission sur Katobel et Kerknet. Bienvenue pour suivre l'interview de notre cardinal archevêque Joseph de Kesel à l'occasion de son nouveau livre « Foi et religion dans une société moderne » qui paraît aujourd'hui aux éditions Salvator à Paris et à Leuven à Anvers. Dames en heren, welkom. Heel hartelijk welkom u allen die nu met ons verbonden bent hier in Mechelen in het Aartsbisschoppelijk Paleis via deze livestream op Kerknet en Katobel. Welkom op dit interview met onze kardinaal aartsbisschop Joseph de Kesel naar aanleiding van zijn nieuwe boek dat vandaag verschijnt bij de uitgeverijen Halewijn in Antwerpen en Salvator in Parijs. Le kardinaal sera interviewé par Emmanuel van Lierde, rédacteur en chef de Tertio, et par Angélique Tassio, qui remplace son rédacteur en chef, Vincent Delcor, de dimanche. Vincent doit malheureusement s'excuser à la dernière minute en raison d'une mesure de quarantaine pendant cette période de COVID. Dames en heren, de kardinaal wordt zo dadelijk geïnterviewd door Emmanuel van Lierde, hoofdredacteur van Tertio, en door Angélique Tassio van het weekblad Dimanche. Zij vervangt haar hoofdredacteur Vincent Delcor, die op het laatste moment zich moet excuseren vanwege een maatregel van quarantaine in deze COVID. Het woord is nu aan de kardinaal en aan de twee journalisten. Monsieur le cardinal, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, comment allez-vous? Bon, ça va relativement bien. Vous savez que ça fait déjà plus d'un an que je suis malade, enfin, que j'ai été atteint par un cancer. Et j'ai subi 3 opérations, mais maintenant, je l'espère que c'est la convalescence maintenant, et je pense que je suis sur la bonne route pour guérir. J'ai toujours gardé confiance, et donc je l'espère. Nous vous le souhaitons. Merci, merci. Oui, oui. Op mijn beurt, goedemorgen, meneer de kardinaal. Goedemorgen, ja. Aansluitend daarbij, in het bisdomblad Pastoralia getuigde u eerder over de 2 beproevingen die u heeft doorgemaakt de voorbije periode. Enerzijds de coronapandemie die ons allen overkwam, maar anderzijds inderdaad uw strijd tegen kanker. Ja, ja. Hebben die 2 beproevingen een andere mens, maar ook een andere gelovige van u gemaakt? Het is misschien een beetje vroeg om daar op te antwoorden. Het is heel zeker dat zowel de ziekte als de pandemie mij zullen gemarkeerd hebben. Dat is onvermijdelijk. Je moet goed weten, het was vorig jaar in maart dat ik dus het resultaat kreeg van het onderzoek en van de scanner dat het een darmkanker was. Ja, dan word je geconfronteerd met iets waaraan ik zelf nooit had gedacht voor mijzelf. Ik weet wel, men weet dat kanker bestaat. Veel mensen worden ermee geconfronteerd. Ook mensen die ik goed ken, familie ook. Ik heb een broer die ook gestorven is aan kanker toen hij heel jong was nog. Dus ik weet dat dat bestaat. Maar je denkt nooit aan jezelf. Je denkt altijd, ja, dat zijn anderen die dat overkomen. Maar nooit heb ik gedacht dat ik het voorbije jaar, dat ik zoiets zou meemaken. Nooit, nooit. Dat is totaal onverwacht. En eigenlijk is het dezelfde ervaring met de pandemie. Hè? Ook daarvan dachten we hier bij ons. In Afrika natuurlijk. En in Azië. Elders. Maar we hadden dat sinds decennia niet meer gekend. Dat was zogenaamd voorbij. Hier niet meer bij ons. En plots word je daarmee geconfronteerd. En het was juist op hetzelfde moment. In maart kreeg ik het verdict. En juist op hetzelfde moment ging de lockdown in. Ik denk dat de diepe ervaring die men daarbij heeft, dat is, en dat is zowel voor mij, voor mijn ziekte, als ook voor ja, iedereen die pandemie doorleeft. Je denkt altijd, veel dingen zijn evident. Dat je mensen kunt ontmoeten, dat je kunt je vrij bewegen, dat je leeft. En plots word je geconfronteerd met het feit dat het is niet evident. Alleen aan het feit dat ik nog leef. Dat is niet evident.
Echt waar. Elke morgen dank ik onze lieve Heer dat ik leef. Dat ik kan eten. Dat zijn evidente dingen. Evident in het normale leven. Maar plots ontdek je ja, dat het niet zo evident is. En ik denk, als je mij vraagt, zult je een ander mens worden? Ik hoop het, dat dat mij geleerd heeft, beproevingen. Ik heb dat ook geschreven in mijn artikel in Pastoralia. Beproevingen, dat is een omweg die men moet maken. Maar het is een omweg die je ook zaken leert ontdekken die je vergeten waart. En onder andere denk ik hieraan de niet-evidentie van zoveel dingen en de dankbaarheid. Ik denk, als ik zo zou mogen, ik hoop dat ik mag genezen, definitief. En ik hoop dat ik meer belang zal leggen aan datgene wat echt belangrijk is. Wat dat echt belangrijk is. Hè. Ik schrijf daar ook over in mijn boek, op het einde, ontmoetingen zijn zo belangrijk. Hè. Het is wat we nu dikwijls moeten missen, maar het toont ons hoe belangrijk dat is. Ja. Voudriez-vous nous parler de ce livre? Comment l'idée vous est venue? Pendant combien de temps l'avez-vous préparé? Qui aimeriez-vous toucher avec cet ouvrage? Oui. Ah oui, je dois dire sincèrement, je n'avais jamais pensé à écrire un livre. C'est Monsieur Cole de la maison d'édition de Salvatore mm-hmm. qui un jour, à la fin, c'était la fin de 2019, qui est venu me voir. Je ne le connaissais pas et il m'avait lu sur Internet. Hein, des homélies, des articles, des conférences. Et apparemment, il a trouvé ça intéressant. Et donc, il est venu me voir, me proposer une publication, peut-être un recueil d'articles, mm-hmm. un recueil d'homélies. Je ne sais, vous découvrez. Moi, j'étais très hésitant. Je dis, mais je n'ai pas le temps. Enfin, j'étais... Et donc, j'ai répondu un peu de façon évasive, comme ça, on va réfléchir. Mm-hmm. Et puis il est revenu et j'avais donné une conférence pour les grandes conférences catholiques à Bruxelles mm-hmm. sur la problématique de la situation de l'Église et du christianisme dans une culture comme la nôtre, sécularisée. Et donc là, je me suis dit, peut-être, parce que c'est quelque chose qui me préoccupe déjà, depuis longtemps, depuis les années 80, je trouve ça tellement important de bien comprendre ce qui s'est passé, de bien comprendre la crise que nous traversons, aussi bien au niveau de l'Église que de la société, et de voir comment l'Église doit répondre à cette crise. Au lieu de dire simplement « ça passera comme ça a toujours passé dans le passé, etc. » Non, 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 non. Et donc, pour moi, c'était l'occasion de systématiser un peu mes pensées, enfin, ma pensée, enfin, voilà, ce que j'avais à dire. Et donc, voilà. Et finalement, j'avais prévu pour les vacances de Noël de 2020 de commencer, parce que j'avais un peu de temps. Et puis, j'avais encore le mois de janvier et février, petit à petit, parce que là, il y avait le travail. Mais au mois de mars, la maladie se manifeste. Et là, je dois dire, au début, les premiers mois, la chimio était encore supportable. Parce que à partir de juillet, août, j'étais tellement fatigué, je n'avais plus de force à cause de cette thérapie. Mais donc, j'avais terminé la rédaction. Et donc, il fallait aussi en même temps... il y avait des parties en irlandais, des parties en français. Il fallait traduire encore. Hein. Et donc, voilà... Et donc, après tout, je suis content de l'avoir fait. Oui. Et je remercie M. Cole hein, pour son initiative, oui, c'est ça. Et la maison, M. Ozar et Halloween, pour cette publication. Hein, oui. C'est une façon aussi de moi de communiquer, de partager ce que j'ai sur le cœur. Oui, c'est ça. Et j'espère que ça peut aider à... Et quel lecteur aimeriez-vous toucher? Ah oui, avant tout, évidemment, les chrétiens, les croyants, les responsables pastoraux, etc.
Mais je crois que c'est surtout la première partie, le premier chapitre, la moitié du livre, où je fais l'analyse de la situation. Je pense que tous ceux qui ont une responsabilité politique ou une responsabilité dans la société, j'espère que ça pourrait leur intéresser. Je crois que c'est important. Parce que j'essaie aussi de positionner l'Église. Oui, vous recontextualisez. Parce qu'il y a beaucoup de clichés là-dessus, etc. Mm-hmm. Non, non. Donc, évidemment, je pense surtout aux gens d'Église, mm-hmm. mais aussi d'autres personnes. Oui. Aux hommes de notre temps. C'est ça. Oui. Oui. Zoals we op de cover kunnen zien, luidt de titel van uw boek Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving. Ja. Geloven wordt vandaag in zo'n cultuur beschouwd als een individuele keuze. Er wordt ook in onze cultuur gezegd dat geloven iets is voor de privésfeer. Men wil het achter de voordeur verdringen. Maar tegelijk is de kerk ervan overtuigd dat geloof publieke consequenties heeft en dat we het beleven in gemeenschap. Hoe kijkt u aan tegen die gevoelige spanningen toch wel in zaken individu, privé, persoonlijk, ja. In zaken geloof? Ja. Ik maak in mijn boek een onderscheid tussen een religieuze cultuur en een seculiere cultuur. En wij zijn geëvolueerd hier in het Westen van een religieuze cultuur, wat we gedurende eeuwen geweest zijn, waar het christendom de vigerende godsdienst was, zoals dat in bepaalde islamlanden de islam is, nu nog vandaag. We zijn geëvolueerd naar een seculiere cultuur. In een religieuze cultuur is het geloof niet alleen een persoonlijke aangelegenheid, maar ook van de cultuur zelf. Ik zeg niet dat in die culturen niet een persoonlijk geloof kan zijn, maar het is gedragen door de hele samenleving. Dat is nu in een seculiere cultuur niet het geval. Daarom het geloof, en ik vind dat een positief aspect van de seculiere cultuur, opnieuw ontdekken wij het persoonlijk karakter van het geloof. Niet het individueel karakter, maar het persoonlijk karakter. En dat is het geloof, ook het christendom, is uit zichzelf een persoonlijke overtuiging. Men wordt mij gevraagd, ook bij de doop, of ik geloof. Het is een persoonlijke aangelegenheid en niet alleen maar, ik ben geen christen omdat ik leef in een christelijke cultuur. Maar ik ben christen omdat ik het zelf wil. En dat sluit dus helemaal aan ook bij het waardepatroon van een seculiere cultuur, waar de vrijheid van de mens centraal staat. Maar dat is juist het probleem, die vrijheid. Vrijheid is niet alleen maar een individualistische aangelegenheid, dat ik kan doen wat ik wil. Dat ik me zoveel mogelijk kan ontplooien, maar zonder rekening te houden met de anderen. Vrijheid is ook verantwoordelijkheid. En hier vind ik, op de vraag die je mij stelt, en ik reageer daar zeer sterk op in mijn boek, hoezeer ik ook de seculiere cultuur zeg dat het is een goede zaak, tegenover de privatisering van de religie in zo'n cultuur, ja, daar verzet ik mij tegen. Om de eenvoudige reden dat het geloof is een persoonlijke aangelegenheid, maar het christelijk geloof helpt mij ook om mijn verantwoordelijkheid te nemen tegenover anderen en ook in de samenleving. De moderne cultuur zegt dat ik vrij ben. Dat is haar grote waarde. Dat was vroeger niet altijd en dat is bij dictaturen vandaag niet het geval. Maar ik ben vrij. Ik mag mijn lot zelf in handen nemen. Als ik christen ben, dan is het omdat ik dat wil. Dat zijn fundamentele waarden. Maar als ik vraag aan onze cultuur, wat moet ik doen met mijn leven? Wat geeft er zin aan mijn engagementen? Voor wie moet ik mij inzetten? Dan antwoordt deze cultuur, maar je bent vrij. Je kunt zelf beslissen wat je daarmee doet. Je moet je daar niemand laten zeggen. Jij bent autonoom. Maar dat is geen antwoord. En ik beschrijf het in mijn boek. Ik zeg niet exclusief de godsdiensten. Maar de godsdiensten die motiveren veel mensen om zich in te zetten voor de ander. En het zijn deze engagementen, daar heeft de samenleving nood aan. Stel je voor dat een samenleving alleen gebouwd is op
De vrijheid van elk individu, zodanig dat iedereen zoveel mogelijk kan doen wat hij of zij wil, dat is geen menselijke samenleving. En in die zin denk ik dat, ik ben daar zeer van overtuigd, de christen is een, dat is een gedachte die dikwijls naar voren komt in mijn boek, is ook een burger in de samenleving. Een verantwoordelijke burger. En het geloof helpt mij om een verantwoordelijke burger te zijn. De kerk is geen kerk naast de wereld, naast de samenleving. Zij bevindt zich in het hart zelf van de samenleving en leeft mee met wat er daaraan uitdagingen, aan angsten, aan schone dingen ook. Zij leeft daarmee mee. Ja. Ja. Revenons, si vous le voulez bien, sur la pandémie. Hein. Les responsables de l'Église belge se sont distingués par une volonté de respecter les règles du jeu politique. C'est ça, oui. Et dans votre livre, vous écrivez « Le chrétien est un acteur loyal de la société civile ». Alors cette posture a été, vous le savez, critiquée, est encore critiquée par certains catholiques. À force de jouer le jeu de la loyauté, ne court-on pas finalement le risque de se faire avoir? Je mets entre guillemets cette expression. Comment l'Église peut-elle défendre ses intérêts dans une société est sécularisée? Oui, c'est vrai. Hein. Je l'ai bien senti aussi. Il y a eu une certaine critique de la part de certains fidèles qui ont eu l'impression, parce que ça va changer maintenant, hein, à partir du 9 juin. Oui. Donc, mais... j'ai bien senti cette critique, hein, qu'on disait que les évêques auraient dû être un peu plus assertifs, hein, un peu plus directifs vis-à-vis de l'autorité aussi. Je dois quand même vous dire que nous sommes intervenus, que nous avons demandé plus d'une fois, ensemble avec les autres cultes reconnus en Belgique, nous l'avons demandé au ministre. Nous avons rencontré le ministre. Nous l'avons demandé. Et nous avons notamment demandé, parce que 15 personnes, c'est pas beaucoup, je comprends, hein, et de tenir compte de l'étendue du bâtiment. Hein. Mais bon, on n'a pas reçu une réponse positive. Bah, voilà. Alors, je ne pense pas que c'était la tâche des évêques, par exemple, dans notre pays, d'inciter le peuple chrétien pour protester dans la rue ou pour... inciter à la désobéissance civile, ça va quand même très loin. Hein? Je sais bien qu'il y a des situations où c'est vraiment nécessaire de réagir, mais ici, il s'agit des mesures temporaires, etc. Il faut voir la gravité de la pandémie aussi. Et donc, à mon avis, ce n'était pas notre tâche de faire cela. Et je pense que l'appel à la désobéissance civile, ça se fait, à mon avis, uniquement pour le bien commun, pas pour défendre ses propres droits. Je serais quand même un peu triste, à mon avis, à mon humble avis, que si on voit la gravité de la pandémie dans le monde entier, et notre ennemi, c'est encore toujours le virus, hein, et donc c'est pas encore fini, ce serait quand même un peu... Je trouve ça un peu triste si la seule réaction de l'Église, ce serait de défendre ses droits, au lieu de défendre le bien commun. Je crois que ça appartient à la loyauté civile, aussi de la part de l'Église, et je suis d'accord qu'on peut protester, qu'on peut demander, comme nous l'avons fait. Mais je suis convaincu que ça appartient à la mission de l'Église aussi, et on le voit aussi chez le pape François, de défendre le bien commun avant de défendre ses propres droits, je pense. Et je pense que c'est l'Évangile qui nous le demande. Donc c'est une forme de loyauté. Oui, parce que la loyauté civile, c'est, pour moi, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de positif. Hein. C'est une valeur. Hein. Oui. Mais je ne nie pas qu'il y a parfois des circonstances... où vraiment l'Église doit réagir. Mais ici, traditionnellement, on parle ici de instatu confessionis,
quand vraiment la foi est en danger. Mais ce sont plutôt des, comme c'est parfois le cas dans le monde, il y a des églises qui sont persécutées, hein. Mais nous ne sommes pas persécutés. Een ander gevoelig thema in onze cultuur is identiteit. Ja. Ook het christendom wordt vaak misbruikt om zich af te zetten tegen de ander. In casu vooral dan tegen de islam. In Vlaanderen spreken we dan vaak over cultuurchristendom. In Nederland over gekapt christendom. Ja. Hoe kijkt u aan tegen die samenhang tussen traditie en openheid? Een duidelijke identiteit hebben, maar tegelijk gastvrij zijn naar de ander. Ja. Ja, voor mij sluiten die elkaar niet uit, in tegendeel. Een identiteit die geen openheid kent op de ander, wordt een identiteit terugplooien op zichzelf. Kijk, als wij, we zijn allemaal kind geweest. Hè? We worden geboren en wij moeten het leven leren kennen en wij moeten onze identiteit opbouwen. Hoe doen we dat? Door contact met anderen. Stel je voor dat een kind niemand ontmoet, niemand. Geen enkele openheid heeft op de ander, het zal nooit zichzelf worden. Nooit. Verstaat? Het is een diepe antropologische wet ook. Ik word mezelf juist in de openheid, in het contact met de anderen. Daarom is de ander, ook in zijn, juist in zijn anders zijn, is geen bedreiging voor mijn identiteit. En als ik iemand echt wil ontmoeten, dan kan het alleen maar als ik mezelf ben. Niet als ik doe alsof. En mij aanpas aan de als ik mezelf ben, vanuit mijn identiteit. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is voor de interreligieuze dialoog. Dat men de ander in zijn anderszijns respecteert. Ik geef het een prachtige voorbeeld, denk ik toch, hè, van Le Frère Christian, van de communiteit van Tiberien in Noord-Afrika, die vriendschap, toen hij jonge gast was nog, hè, als seminarist, in goed in contact was, in vriendschap zelfs, met een oudere moslimman. Die hem sprak over het gebed. En het is dankzij die ontmoeting dat Christian trappist geworden is. Een priant parmi d'autres priants. Maar ziet je, het is geen bedreiging. De vriendschap van Frère Christian met deze moslim was geen bedreiging voor zijn geloof. Integendeel, hij heeft het dieper ontdekt. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor de toekomst. Dat we moeten afzien van een mentaliteit van wij en zij. En daarom, ik eindig ook mijn boek daarmee. Ik ben daar dieper en dieper van overtuigd hoe belangrijk ontmoetingen zijn. Niet alleen tussen christenen, niet alleen in het pastoraal. Dat mensen gerespecteerd worden, beluisterd worden. Dat ze het gevoel hebben dat ze niet zomaar cliënteel zijn. Hè? Pastoraal cliënteel. Maar dat ze als mens gerespecteerd, maar ook in de interreligieuze dialoog en in de samenleving. Ik denk, zolang we blijven in een dynamiek van wij en zij en elkaar niet ontmoeten, blijft het gevaarlijk. Maar het is iets wat heel belangrijk is, dat de eigen identiteit, ik leer mijzelf als christen beter kennen in de ontmoeting met anderen. Ja. Ja. Que pensez-vous des termes identité et identitaire? Ah oui, c'est un peu la même problématique. Oui. Hein. Donc, évidemment, je dis aussi de l'Église qu'elle ne doit pas avoir peur de son identité. Mmh. Imaginez-vous une Église qui ne sait pas à quoi elle sert, qui ne sait pas ce qu'elle croit, qui ne sait plus, enfin, qui dit un peu n'importe quoi, ben, elle n'a rien à dire. Hein. Dans une société comme la nôtre, une société où il y a différentes convictions, alors il doit être clair ce que l'Église représente. Si elle ne représente rien, alors elle n'a rien à dire. Mais il y a une identité, il y a aussi le danger d'une identité fermée. Oui. Hein? Ça c'est le réflexe identitaire. Où l'identité devient une valeur en soi. Et en opposition au monde. Mmh. Moi,
Ce n'est pas cette identité que je désire pour l'Église. C'est une identité ouverte. Et vous parlez d'une Église confessante, d'ailleurs. Confessante, oui. Vous voyez, quelle est notre identité ? Je le décris un peu au début de la deuxième partie. C'est Dieu, c'est ça la tradition judéo-chrétienne. C'est un Dieu qui est à la recherche de l'homme. Et c'est ça le message central des deux testaments. Dieu qui est à la recherche, Dieu qui ne se suffit pas à lui-même. Dieu, un Dieu qui n'est pas indifférent, qui a le souci de l'homme. Et je vois bien la différence avec les divinités dans le monde antique. C'est un Dieu qui entre en relation. Eh bien, si c'est ça notre identité, c'est la foi en un Dieu qui n'est pas indifférent. Alors celui qui est croyant ne peut pas être indifférent vis-à-vis de l'autre. Il doit suivre le comportement de Dieu lui-même. Et c'est la foi qui me pousse dehors. C'est la foi qui me demande d'être une église en sortie, comme dit le pape François. Et donc, d'aller à la rencontre de l'autre, dans le respect. Je le dis aussi parce que pour Dieu, le plus important, c'est que l'homme lui réponde, enfin, accueille son amour, mais en toute liberté. Hein? Et je le dis par exemple, dans cette partie-là, il ne nous a pas créés croyants. Ça aurait résolu beaucoup de problèmes pastoraux. Tout le monde serait croyant, mais qu'est-ce qu'il a avec ça ? Rien du tout. Donc, vous voyez, c'est notre identité même et notre foi en Dieu qui nous pousse dehors, qui nous invite à aller à la rencontre de l'autre et de ne pas se replier sur nous-mêmes. C'est ça que le pape François demande. Pas une Église qui se retire du monde, qui dit... Nous nous occupons de nos propres problèmes religieux. D'ailleurs, je pense que une culture séculariste ne demanderait pas mieux. Hein. Ça, je dis aussi. Hein. Mais l'Église n'est pas un monde à côté du monde. Elle partage les joies, comme dit, c'est la dernière citation de mon livre. Une Église qui partage la joie, mais aussi les angoisses et les peines de notre temps et de l'humanité. Et ce sont les derniers mots de cette introduction à la Constitution Gaudium et Spes. L'Église est intimement liée au destin de l'humanité. L'Église ne peut pas se définir, ne peut pas trouver son identité sans cette relation au monde, sans cette ouverture au monde. Oui. Donc, une identité, oui, mais pas un réflexe identitaire, non. Voilà, oui. In een moderne, séculiere cultuur staat niet God, maar de mens zelf centraal. Ja. Tegelijk... Ook het christendom getuigt eigenlijk van een groot humanisme. Ja. En dus in die zin hoeft het misschien ook geen probleem te zijn dat de mens centraal staat. Of toch moeten er toch kanttekeningen daarbij gemaakt worden. Toch wel, hè, toch wel. De moderne cultuur is een humanistische cultuur. Het is haar grootheid. Het christendom is ook een humanisme. Dat is Paulus VI, die heeft dat al. De christianisme is een humanisme. Maar er is toch verschil. De moderne cultuur, en dat is in haar onderscheid met de religieuze cultuur, in religieuze cultuur is alles gericht op het geloof in God. Op de religieuze grondhouding. De seculiere cultuur is juist een cultuur waar alles gecentreerd is op de mens. En ik zeg het nog eens, ik heb het daar straks gezegd, een mens, en de centrale waarde van de moderne cultuur, humanistische cultuur, is zijn vrijheid, zijn autonomie. En zijn emancipatie, een autonomie die je kan realiseren door zichzelf te ontplooien. Dat is het ideaal, het ideale mensbeeld, vrij zijn en alles kunnen doen voor mijn zelfontplooiing. Maar u voelt in deze definitie van humaniteit, hè,
van dat er daar iets tekort is. Namelijk, wat zelfs in de Franse Revolutie al naar voren kwam, en ik heb het daar ook over in mijn boek, geen vrijheid zonder fraterniteit. Liberté, égalité, fraternité. Dat we zeggen, mijn vrijheid vindt uiteindelijk slechts haar zin, haar richting, in mijn verantwoordelijkheid tegenover de anderen. En voelt je het gevaar van het humanisme in een louter seculiere cultuur, dat is het individualisme, mijn vrijheid. En dat, ja, dat is wat Paus Franciscus waar ons tegen ons waarschuwde, dat men dan onverschillig wordt voor de anderen. En dat die onverschilligheid door de ontwikkeling en de vrijheidsbeleving van de mens stilletjes aan geglobaliseerd wordt. En dat is een correctie. Dus versta mij niet verkeerd. Hè. Het is een grote waarde van de moderne cultuur, de vrijheid. Je moet maar mensen die misschien tijdens in dictaturen geleefd hebben, wat dat betekent, vrij te kunnen zijn. Maar aan de andere kant is vrijheid geen puur individuele, individualistische aangelegenheid. En dat zit diep in het christendom. Ik heb het al juist gezegd in het Frans ook. Het is God die niet onverschillig is. Die een hart heeft voor de mens, die hem zoekt. Die bij hem wil zijn. En in het Nieuwe Testament nog verder gaat. Die wil zijn niet alleen met ons, maar ook zoals wij. Ook onze broosheid heeft aanvaard. Dat is Christus. Dat is het hart van ons geloof. Ja, dan is het een humanisme. Het christendom is een humanisme. Maar dat gecentreerd is natuurlijk, dat ook de vrijheid erkent, uiteraard. Maar dat die vrijheid alleen opvat als verantwoordelijkheid voor de ander. Ja. Dat is toch een groot verschil. Dat is toch meer dan een nuanceverschil. Ja. Alors justement, dans les nuances, vous relevez le fait que des personnes se disent chrétiennes, mais sans aller chaque semaine dans une église. Alors être chrétien, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Est-ce que ce serait un titre que l'on se donne ou un nom que l'on reçoit? Oui, je comprends la question. J'ai dit ça aussi, il faut... L'Église, elle n'est pas une secte. Parce que dans une secte, on sait très bien ce qui est dedans et ce qui est dehors. Mm-hmm. C'est clair. On ne supporte pas de dissidence. On ne supporte pas de critique. C'est un signe d'un comportement sectaire. Je pense que l'Église ne l'a jamais fait. Elle a toujours été une église ouverte. Et je vous dis pourquoi. Je suis convaincu, en tant que croyant, que Dieu est à l'œuvre dans chaque personne humaine. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres humains. Et Dieu ne nous abandonne pas. Il n'abandonne pas ce qu'il a créé. Donc il est à l'œuvre. C'est d'ailleurs mon dernier chapitre dans le livre. La présence et l'œuvre de l'esprit, même là où on ne le sait pas. Le grand oublié, dit-on. C'est ça, le grand oublié, oui. Et donc, Dieu est à l'œuvre, et donc l'Église doit respecter. Et Dieu est à l'œuvre, ça veut dire il a du temps. Il ne demande pas tout à la fois. Il a du temps, il est patient. Et alors, ce n'est pas à l'Église de dire, de faire maintenant, de juger. Ce n'est pas François encore, je le cite beaucoup, mais attention, ne jugeons pas trop vite. Il y a des gens qui viennent chaque semaine, chaque dimanche à la messe. C'est le noyau de l'Église, qui porte l'Église. Mais à côté de ça, il y a d'autres personnes qui viennent de temps en temps, régulièrement. Il faut, c'est mon avis, et c'est ma conviction, très profonde, il faut le respecter. Quand ils viennent, il ne faut pas leur dire « Où étiez-vous le dimanche dernier ?» Non, il ne faut pas dire ça. Non, c'est parce que Dieu est à l'œuvre dans chaque personne humaine et on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et il y a du temps, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas.
Moi, je ne peux pas donner la foi à un autre. C'est l'œuvre de Dieu. Je ne peux qu'être témoin de ce que le Seigneur fait. Et je crois que c'est une attitude qui est très importante pour l'Église. Et donc, d'être une Église accueillante, pas une secte, mais une Église accueillante. Et je pense, par exemple, il y a beaucoup de gens qui frappent à notre porte, pour beaucoup de choses. Hein, parce qu'on a des questions, parce qu'on veut un baptême, parce qu'on veut se marier, et parfois ce sont des gens qui ne sont pas très directement liés à l'Église, etc. Il faut les prendre au sérieux. Ce petit geste, cette demande, il frappe à notre porte, il faut le respecter. Et il ne faut pas les rencontrer comme la clientèle hein, qui est là, hein, dans une attitude fonctionnelle comme ça. Non, non. Écoutez. Et vraiment, pas poser tout de suite des questions pour savoir s'ils sont en ordre. Enfin, si... Non, non, ça n'est pas l'accueil. Les respecter, les écouter. Et je pense que là où quelqu'un sent qu'il est reconnu dans ce qu'il vit et dans les questions qu'il a, ça portera du fruit. Ça portera du fruit, vraiment. Et donc, l'Église doit aussi être accueillante, de la patience comme le Seigneur. Je crois que plus que les réformes institutionnelles, la qualité des rencontres des responsables pastoraux est le plus important pour l'avenir de l'Église. Le plus important. Parce que c'est dans une rencontre, une vraie rencontre, hein, où je respecte l'altérité de l'autre, c'est de là que peuvent naître beaucoup de belles choses. Et je crois que c'est dans la rencontre que le Seigneur est à l'œuvre. Oui. Et donc, une Église ouverte, accueillante, ça ne veut pas dire une Église qui n'a pas d'identité. Mm. Pas du tout. Ben, je viens de l'expliquer. Hein. Oui, merci. Oui, merci. Oui. In kerkelijke kringen blijven velen het nog altijd moeilijk hebben met de secularisatie en de ontkerkelijking. Soms zelfs met een nostalgische hunker naar de zogezegde tijd van de volle kerken. U bekijkt die maatschappelijke evolutie niet zo negatief. U ziet kansen in uw boek. Waarom is deze kerk- en geloofscrisis en die secularisatie voor u misschien toch een genadevolle tijd? Ja, ja. Waarom is de secularisatie geen vijand van de kerk? Ja, ja. Ja, het is de centrale stelling van mijn boek. Hè. In bepaalde kerkelijke middens geldt de secularisatie als vijand nummer 1 van het geloof. Ik ben daar dus niet mee akkoord. Ik vind dat dat niet waar is. Ik heb wel mijn reserve voor een secularistische houding. Maar de secularisatie als zodanig, denk ik dat het een... Ja, ik denk dat ik mag zeggen dat dat een goede zaak is. Ik heb het je al gezegd, een onderscheid tussen religieuze culturen en seculiere culturen. In een religieuze cultuur is een bepaalde godsdienst eigenlijk de ziel van heel de cultuur die alles bepaalt. Dat is bijvoorbeeld vandaag nog het geval in bepaalde islamlanden, waar de sharia de wet is. Ik ben ooit in Marokko geweest, enkele jaren terug, het was in 2015. De aartsbisschop zei mij, ik ben hier geboren en getogen, maar ik kan geen Marokkaan zijn, want ik ben een christen. Dus een Marokkaan is een Mohammedaan. Verstaat je? Nu hebben wij dat hier in het Westen ook gekend. Het christendom is hier gedurende eeuwen, na de oudheid, en tot aan de opkomst van de moderne cultuur... Het christendom is culturele religie geweest, wat maakt dat de hele samenleving christelijk was. Ik zeg niet dat iedereen heel persoonlijk gelovig was, hè? Een fervente christen, maar het christendom was het referentiekader waarin men leefde en dacht. Dat was natuurlijk niet zo comfortabel voor de Joodse geloofsgemeenschap. Die heeft altijd een zeer precair tijdens de hele periode van de christenheid... En waar het christendom hier de homogene christelijke beschaving was, ja, een situatie was altijd precair. Dus dat is mijn kritiek.
En het voordeel van een seculiere cultuur is dat de diversiteit gerespecteerd wordt. Ik zie de seculariteit als het kader waarin wij in vrede met elkaar proberen te leven. En het is gegroeid na 1648, de Vrede van Westfalen, na 30 jaar echte oorlog hier in onze, ook in onze streken hier. Het is bijvoorbeeld wat kardinaal Sacco, die de patriarch is van de Chaldeeën in Irak. Ik ben daar ook op bezoek geweest. En hij was toen niet in Bagdad, hij was in Erbil waar wij waren, omdat het niet zo veilig was in Bagdad. Dus ik heb hem daar ontmoet. En ik heb hem ook nog nadien ontmoet. Maar hij zegt het, wat wij hier nodig hebben is een seculier regime. Anders zijn wij twee, in een religieuze samenleving, zijn wij tweederangsburgers. En ziet je, dat is niet goed, hè, dat er geen verscheidenheid is. Dat is niet goed. Dat er één religie slechts het alles voor het zeggen heeft. Dat is geen gezonde, goede situatie. En al zeker niet voor degenen die tot de minderheid behoren. En dat is ook een mooie uitspraak van kardinaal Sacco. Die zelf zegt, hè, want we hebben het daar net ook gehad over burgerlijke loyauteiten. Die zegt, la citoyenneté, burger zijn, la citoyenneté, pas avant le religieux. En hij wil zeggen dat er toch niet ophoudt met ons als in Irak, waar ze een minderheid zijn, de christelijke geloofsgemeenschap, 1-2%. Maar dat men ermee ophoudt ons als minderheid te zien, wij zijn burgers van dit land. Ik vind dat een treffende uitspraak. Wij zijn burgers zoals iedereen. En we willen samen met iedereen ook dat land hier uitbouwen tot een meer rechtvaardige en menselijke samenleving. En u voelt hier, dat moeten wij hier, de kerk moet de omslag maken. Zij is natuurlijk, en dat heeft haar een zekere machtspositie ook gegeven in het verleden, zij was culturele religie. Maar het is niet omdat zij dat niet meer is, dat ze aan het verdwijnen is. Het is haar maatschappelijke positie is veranderd. Maar dat stelt in geen geval voor mij, en dat is mijn tweede hoofdstuk, dat stelt in geen geval de betekenis van haar zending in vraag. Integendeel. Er zijn veel, ook in Irak, ook in Marokko heb ik, dat is een heel kleine gemeenschap. Dat was in Rabat. Heel kleine, 700 christenen, katholieken daar. Maar de bisschop zei mij, wij hebben hier onze plaats. Wij zijn hier aanwezig. Het is niet onze bedoeling van de hele samenleving te herchristianiseren, maar wel van aanwezig te zijn in deze samenleving, omdat de kerk geroepen is om Gods liefde bekend te maken. Dus de zin van onze zending hangt niet af van het feit of we al dan niet de positie hebben van culturele religie. En ik denk dat daar de knoop wat ligt vandaag, ja. Dans les pistes finales de votre ouvrage, vous évoquez l'idée que l'église de demain sera plus petite. Oui. Alors est-ce que c'est un souhait ou plutôt un constat ? C'est pas un souhait, non. J'imagine. Non, non. Et comment éviter une impression de défaitisme ? Oui. Et comment articuler cette affirmation avec, à l'inverse, une église en mission, hein, qui est plutôt capable de toucher les cœurs ? C'est ça, oui. Oui. Très c'est pas contradictoire. Cette question voilà. Très importante. Non, ce n'est pas un souhait. Hein. Je crois que je le dis aussi quelque part. On voit la vitalité de l'Église à ce que d'autres qui sont intégrés dans cette société moderne découvrent la joie de l'Évangile. L'Église ne peut que se réjouir, et moi aussi en tant que chrétien, qu'il y en a d'autres qui découvrent la beauté de l'Évangile, la joie de l'Évangile. C'est évident. Ce n'est pas un souhait. Hein. Ce n'est pas mon projet pastoral de faire en sorte que l'Église soit le plus petit possible. Non, pas du tout. C'est un constat. C'est normal. L'Église, je dis dans une culture religieuse, et comme on a pendant la période de la chrétienté, bien, tout le monde était chrétien. Et à la fin, disons, jusqu'au 19e, jusqu'au début du 20e, la majorité. C'est normal dans une culture religieuse, comme je viens de le dire, au Maroc, tout le monde est musulman. C'est évident. Mais dans une culture sécularisée, où il y a différentes options et convictions, et
par le phénomène migratoire, où il y a beaucoup de musulmans aussi dans notre pays, ben, l'Église sera plus modeste. C'est inévitable. Mais ça ne met pas en question notre mission. Et donc, l'Église, je le dis aussi, elle est peuple de Dieu, comme dit la Constitution Lumen Gentium. Peuple de Dieu, c'est le peuple qui écoute sa parole, qui célèbre son amour et qui s'engage qui veut adapter le comportement de Dieu lui-même. Et donc, il se soucie du pauvre, du malade, de celui qui ne compte pas dans ce monde. Voilà, ça c'est. Et donc, mais elle n'est pas uniquement un lieu où l'amour de Dieu est déjà accueilli, elle est aussi sacrement pour le monde. Sacrement, ça veut dire signe visible et efficace. Un signe que Dieu veut. Pourquoi ? Pour se faire connaître. Mais c'est un moyen assez modeste de la part de Dieu, c'est l'Église. Elle vit ce qu'elle vit, elle dit ce qu'elle dit, et essaie de rayonner. Et je viens de donner l'exemple de la petite communauté à Bagdad, à Rabat, au Maroc. C'était l'archevêque qui me disait, il ne faut pas avoir de la compassion avec nous, nous sommes ici l'Église de Dieu. C'est là notre tâche, mais ça ne dépend pas du nombre. C'est le pape François, je le cite aussi dans mon livre, le problème ce n'est pas de ne pas être nombreux, c'est d'être insignifiant. Je trouve ça très fort de sa part. Ça c'est le problème, d'être insignifiant, de ne s'occuper de ses propres problèmes. Une église qui se retire, non, ça c'est le danger, pas le nombre. Et donc, nous devons accepter aussi que le dimanche, ce n'est pas la population qui se rassemble, ce sont les chrétiens. Mais je crois que ça, c'est la situation normale. La situation normale, ce que nous avons connu ici en Occident pendant des siècles, ça, c'est plutôt l'exception, à mes yeux. C'est plutôt l'exception. Oui. Het is al een paar maal ter sprake gekomen in het gesprek. Een cultuur waar één religie dominant is. Ja, ja. Culturele religie, dat vindt u niet goed, eigenlijk zelfs gevaarlijk. Ja. Maar we zien aan de andere kant ook, waar diverse godsdiensten samenleven, dat het ook vaak voor conflict zorgt. We hebben de voorbije weken nog het conflict terugzien opflakkeren in Israël-Palestina. Zulke conflicten voeden natuurlijk soms ook wat afkeer voor religie. Ze voeden antisemitisme, islamofobie. Nee. Hoe ervaart u zelf de relaties met het jodendom en de islam hier ter plekke? Nee. En, hoe kan er toch vredevol samenleven tussen hen? Ik denk natuurlijk, het is waar natuurlijk, als men... onder een dictatuur is alles vredevol. Hè? Er zijn geen conflicten. Hè? We hebben het gezien met Joegoslavië. Hè? Zolang Tito er was, één keer dat de dictatuur weg is, dan... Dus u kunt ook hier zeggen, zoals u zei in het begin van uw vraag, het feit dat er diversiteit is, creëert natuurlijk ook de mogelijkheid dat er conflict is. Maar van daaruit te zeggen, het is dan beter onder een dictatuur, dat vind ik niet... Dat klopt niet, hè. En dus het enige remedie daarvan is, ik zeg het nog een keer, dat is elkaar ontmoeten. Goede relaties hebben. Zolang wij blijven in de dynamiek van wij, zij, dan gaan we problemen creëren. Natuurlijk, we hebben de allerbeste contacten met de Joodse geloofsgemeenschap. Ik kan u dat zeggen, de opperrabijn belt mij regelmatig om te zien hoe dat met mijn gezondheid is. We hebben ook zeer goede contacten. We hebben goede contacten met de moslim-executieven ook. Maar ik denk dat voor de toekomst, ook voor de kerk, ook voor de samenleving, heel belangrijk is dat we elkaar ontmoeten. Want veel zaken veranderen. Hè, je hebt je idee over bepaald iets, hè, over de islam. Veel zaken veranderen als je concreet iemand leert kennen. Als je iemand ontmoet. Dat is met veel problemen zo. Het is door de ontmoeting dat ik... En ik denk dat voor de toekomst ontzettend belangrijk is. Dus in plaats van te zeggen, we gaan weer naar een uniformiteit,
het gevaar bestaat. En ik zou toch ook vragen dat, dat men toch niet zo ver zou gaan dat men het islamistisch extremisme, terreur, terrorisme, dat men daar heel de moslimgemeenschap zou mee identificeren. Dat klopt niet, hè, want ze hebben ook in eigen midden zoveel aanslagen, hè, waar zij het slachtoffer van zijn. Dus ik denk dat het interreligieuze dialoog, ontmoeting met de anderen, en de andersgelovigen, maar ook met iemand die niet geloofde, dat dat ontzettend belangrijk is voor de toekomst en een enorme betekenis heeft ook voor onze pastorale aanwezigheid. Dans votre livre, vous traitez largement hein, des autres religions, et notamment de l'islam. Alors on sait que c'est une religion qui fait peur à certains. Oui. Que comprenez-vous ces peurs et que diriez-vous précisément à ces gens qui sont inquiets? Oui, je comprends cette peur. Mais cette peur vient de, d'un islamisme extrémiste, terroriste. Mais ce serait quand même... Ça serait quand même faire violence à la vérité et à la réalité d'identifier... tous les musulmans et l'islam à cet extrémisme. Ça, il faut dire que ce n'est pas en, dans sa qualité de religion qu'on pourrait dire que l'islam est une religion violente. Bah, ça, on aurait pu dire aussi du christianisme. Même l'hindouisme, même le bouddhisme. Tout ce qui est humain peut... On peut l'abuser, hein. Il y a des dérives. Mais alors je dirais aux gens, je comprends votre peur, moi j'ai peur aussi des attentats. Mais ce n'est pas... Donc c'est une... Moi je dirais le contraire, au lieu de se retirer et donc de dire... Voilà, les musulmans et nous, non, il faut se rencontrer. Je viens de le dire en irlandais aussi. Ça me paraît très, très important. Et c'est la rencontre. Et donc, il faut vivre ensemble. Ça n'a aucun sens de dire qu'ils retournent dans leur pays. Ça n'a aucun sens. Nous devons vivre ensemble et construire ensemble. Nous sommes tous ensemble pour une société plus humaine et plus fraternelle. Et là... l'Église est là aussi avec sa contribution, mais en communion avec les autres. Et donc, je pense que c'est la tâche de l'Église. Je pense, par exemple, ce que le pape Jean-Paul II a commencé à Assise. C'est très important. Le dialogue interreligieux et la conscience de pouvoir construire ensemble une société plus humaine et plus juste, où les religions peuvent jouer leur rôle, ça c'est important pour l'avenir, je crois. Oui. Al zoekt de kerk geen macht of het opnieuw veroveren van terrein in de samenleving, toch bevestigt u in uw boek, kerk is missie. Ja. Maar wat kan die missionering dan vandaag nog betekenen? Komt het er dan toch niet op aan dat de kerk toch ergens terug mensen wil en de wereld wil bekeren? En is de dialoog met de ander dan niet een soort schone schijn? Want uiteindelijk willen we toch liefst dat ze naar de ware schaapstal komen. Ja, ik hoop dat de interreligieuze dialoog niet een schone schijn is. Hè. Niet doen alsof. Ik ben dus wel voorstander, enfin, uiteraard, hè, ik zeg het ook uitdrukkelijk in mijn boek, de kerk doet niet aan missie. Ze is niet aan de ene kant kerk... volk van God, en dan zoekt ze misschien ook nog voor wat publiciteit om te recruteren. Zij is missie. Zij is het middel dat God gekozen heeft om zijn naam bekend te maken. Allereerst met Israël, met Gods volk, hè, van het eerste verbond, en dan met het nieuwe Gods volk, met de kerk. Daartoe dienen wij, om Gods naam bekend te maken. Maar ik heb het u al gezegd, God... wil zich alleen maar laten kennen en verwacht wederliefde van een iemand die dat in volle vrijheid kan doen. Hij forceert dus niet. Hij forceert niet. De kerk forceert niet. Zij respecteert de anderen. Het is de enige mogelijkheid, hè, om in contact te komen met de anderen. Wanneer gij reeds met een verborgen agenda de ander ontmoet, is het al gedaan.
Dat voelt je aan jezelf ook. Als je voelt bij iemand, hij komt eigenlijk niet omdat hij mij, wil ontmoeten, maar hij komt mij zijn waar verkopen. Het is gedaan. Dus in die zin, de kerk is missie. Door datgene wat ze doet. Luister naar Gods woord. En vandaag een heel belangrijke zaak ook, want dat is een brede sector. Want er is veel onwetendheid over het christendom en over religie in onze seculiere culturen. Veel onwetendheid. Alle soorten clichés die de ronde doen. Heel belangrijk. Een goede verkondiging. En niet alleen alles wat in de loop van die 2000 jaar geschiedenis allemaal gezegd is, maar het hart. Hè? Dat Gods liefde is voor deze wereld. En dan de liturgie. Ik denk dat er veel mensen voor een groot deel nog in contact komen met de kerk langs de liturgie. Het is zo belangrijk dat ze goed gevierd wordt. Dat de homilie pertinent is. Dat mensen gevoed worden, gesterkt. Dat is uitzonderlijk belangrijk. Ook op die momenten waar mensen slechts sporadisch naar de kerk komen. En dan ten derde, dat is de zorg voor de arme mens, voor de vergeten mens, voor de mensen die niet meetelden in onze zogenaamde ontwikkelde samenleving. Als de kerk dat doet, straalt ze naar buiten uit. Men kan er achterloos aan voorbij gaan. Er is niemand die u iets dwingt tot iets, maar je kan ook getroffen worden. En dat is het werk van Gods genade. En in die zin pleit ik niet voor een kerk die, omdat ze in een seculiere samenleving leeft, zich stilletjes aan terugtrekt. Nee, ze is er om Gods liefde bekend te maken. Dernière question, si vous le voulez bien. Vous écrivez que l'Église va être en mission. Alors pourriez-vous nous donner quelques pistes, quelques exemples de ces missions, enfin de ce terrain de mission? Serait-ce les réseaux sociaux ou encore de grands événements ou bien un renouvellement des liturgies? C'est ça. Oui, je ne nie pas évidemment l'importance de notre présence sur les réseaux sociaux, ni les grands événements comme le JMJ. Donc, absolument pas. Ce sont des choses qui ont du sens et qui sont bien. Mais je voulais simplement dire, c'est ce que j'ai voulu dire dans mon livre, que l'Église est missionnaire, non pas en organisant des campagnes de publicité, mais elle est elle-même mission. Hein? Ce n'est pas d'un côté une Église qui en soin de son identité, la prière, la liturgie, etc. Et puis, à côté de ça, qui fait aussi qui prend des initiatives pour le recrutement, quoi. Hein? Ça n'est pas la mission. Hein? C'est en étant Église, c'est-à-dire peuple de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, qui célèbre la liturgie. Parce que beaucoup de gens ont contact avec l'Église par la liturgie, qui célèbre la liturgie et qui s'engage pour le pauvre, pour le malade, pour celui, ceux et celles qui ne comptent pas dans notre société, soi-disant développée. C'est en faisant cela qu'elle rayonne. C'est en faisant cela qu'elle rayonne. Elle laisse la liberté à chaque personne. On peut ne pas en tenir compte. Mais on peut être aussi touché. Et je nie donc l'importance de certaines initiatives, mais toujours centrées. Parce que imaginez-vous une église qui n'écoute plus la parole de Dieu, qui célèbre la liturgie, mais ça ne trouve pas très important. Avec routine. Et voilà. Mais qui à côté toute son énergie pour des campagnes de publicité, ça ne sert à rien. Elle ne peut, c'est une phrase qui revient de temps en temps dans mon livre, l'Église ne peut rayonner que ce qu'il se dit à l'intérieur, et c'est ça la mission. Ça va encore plus loin, encore à la fin de mon livre je dis que jusqu'au XVIe siècle, la mission, ce n'était pas l'Église, c'était Dieu. C'est lui qui envoie son Fils et c'est lui qui envoie son Esprit.
Ça, c'est la mission. Et l'Église, elle est témoin de cette mission de l'Esprit qui est à l'œuvre dans le monde, même là où on ne le voit pas. Et j'ai donné l'exemple, hein, on prie dans les prières universelles, on prie pour les dirigeants, pour les hommes politiques, on se dit, est-ce que ce sont des chrétiens? Mais non. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Hein? Donc il n'y a aucune raison d'être défaitiste. Pas du tout. Oui. Merci. Oui. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, c'est ça. Chers téléspectateurs et auditeurs, soyez chaleureusement remerciés pour votre présence via ce canal numérique. Merci également aux journalistes, à l'équipe technique et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Nous vous quittons tandis que les éditeurs remettent le premier exemplaire de livre au cardinal de Kesel. Ziezo, dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Van harte dank voor uw aanwezigheid via dit digitale kanaal. We verlaten u nu terwijl de uitgevers het eerste exemplaar van hun boek overhandigen aan de kardinaal. Je tiens également à vous informer que dans les prochains jours, plusieurs interviews du cardinal paraîtront à l'occasion de son nouveau livre, dans la Libre Belgique, dans la Croix, en néerlandais dans Kerkenleven et dans Knack, et aussi Catobel, Dimanche, Kerknet et Tertio, et notre bimestriel Pastoralia contribueront également. Ik wil u tot slot nog even erop wijzen dat de komende dagen er verschillende interviews met onze kardinaal verschijnen naar aanleiding van zijn boek. In de Libre Belgique, in La Croix en in het Nederlands onder meer in Kerk en Leven en in Knack. Ook Catobel, Kerknet, Dimanche, Tertio en ons eigen maandblad Pastoralia zullen in de komende weken bijdragen brengen. Hartelijk dank en tot de volgende keer.